encore ce soir. Encore ce soir. Là, ça va être compliqué, mais on va continuer. La fin de l'histoire, quand même. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit. Hop, il est là. Faut que je mange un mètre. Et tac. Allez, bon, je voulais voir si j'avais une durée de jeu, mais c'est pas affiché. Bon. 16 heures. Voilà, juste plus être sur les 20 heures, moi. Parce que, oui. Ça, j'ai mon chapitre 6, je crois. Salut, madame. Ah oui, on va... Moi, je vais souffrir encore. Je le sais. Ça va être compliqué. On va y arriver si je tournais dans le coin la soluce. Ou ben toi. Ah, tes idées sont là à moitié, pourquoi? À chapitre 6, ouais. Vers la mer. Il y a Chatoum qui vient de rejoindre le bébé. Ah, une sinusite. Aïe, aïe, c'est vrai qu'elle est blessée. La faute à la cime. Ouais. Elle était malade, lui aussi. Je sais pas où il faut aller, non. Comment on va sur une île? En bateau. Une fois qu'on sait où elle est. Maman va être fâchée, tu crois? Elle ne va pas être contente, mais ne t'inquiète pas. Et tu crois que ces bandits, ils vont les suivre? Non, ils sont en sécurité. Mais ils ont pas d'armes. Ils vont fuir ou se cacher, Hugo. Ouais, c'était calme, ouais. Férié, à 11 h j'étais en voiture. Ouais, ça t'a mis du... Et demain, on les amène au mini-golf. La dernière fois que j'étais dans un mini-golf, j'ai failli tout fracasser. J'ai pas la patience. Ça va être comique demain. Regarde ces belles fleurs. Oui. Allons, tu adores les fleurs. Oh, c'est beau.
Graphiquement, c'est vraiment une tuerie ce jeu. Si leur bateau coule, Hugo, est-ce qu'ils savent nager? Tout ira bien. Promis? Oui. Attends, tu vois cet arbre? Je suis sûre que je peux l'attendre avant toi. Maintenant? Pourquoi? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même. Montre-moi ça alors. 3, 2, 1. Hé! Toi, t'es qu'un poulet! Je trouve mon cours. Ah, oh, non, ça saigne encore. J'ai gagné! Ça va passer. C'est pas drôle! Désolée, mais si! Tu t'es fait mal? Non. Oh, regarde! Vraiment une belle plume. Elle est toute douce et toute bleue. Ouais, c'est le problème, mais bon, elle on va essayer de... Elle a du nid qui est dans cet arbre, là-haut, tu vois? D'outrepasser ça. Oui. On cherchera d'autres nids et je suis sûre qu'on trouvera d'autres plumes. Oui. D'ici là, je ferai de toi un oiseau. Un chevalier oiseau. Tiens, ça me rappelle. J'ai trouvé de jolies fleurs quand j'étais avec Lucas. Tu les veux? Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah. D'accord. C'était une belle course. Oui, c'est vrai. Ça te fait encore mal? Non. Ce qui fait mal, c'est que je suis un poulet maintenant. Mais un gentil poulet. Trop aimable. La prochaine fois, je te laisse gagner. Oh non. La prochaine fois, je t'écraserai. C'est Freeze qui a... Tu entends ça? C'est quoi? Des chants. On dirait une messe. Il y a une église ici. Je pense que ce jeu, ils l'ont sorti trop vite parce qu'il y a des bugs, des problèmes d'optimisation, si je trouve. Qu'est-ce que c'est? Un marché? Non, on est trop loin d'une ville. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Oui. On va demander. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Oui, nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens? Oh, c'est l'heure de la messe. Nous sommes en pèlerinage, alors nous prions pour arriver à bon port. Oh, vous vous rendez à Rome? Exactement. Et vous? Où allez-vous? Sur une île. On ne sait pas grand-chose à ce sujet. C'est Chatoun. Oh, notre meneur Perreux connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Ah ben là, il y a... Ouais. Il y a un problème d'optimisation de gameplay. Parce que le gameplay, franchement... C'est le même gameplay que The Evil Within 2, tu vois. Sauf que The Evil Within 2, il est sorti il y a bien longtemps, quoi. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce Perreux. C'est un peu rigide, quoi. Mais après, graphiquement, il est magnifique. Doucement. Salut, Lois. Les anciens semblent tenir le rythme. Oui. Ils sont robustes, ceux-là. Oui, leur foi est forte. On va voir le pape à Rome? Peut-être. Si on a de la chance, il y aura des milliers et des milliers de pèlerins. J'ai tellement hâte! Bonjour. Le jeu de l'année. Oh, bonjour. Bonjour. J'irai pas jusqu'à là. C'est un voilà très bon jeu, mais je suis de l'année Est-ce quand même. Est-ce que c'est Perreux dans le fond? Chut. Oui. Tu pourras le voir quand ce sera fini. Oh, pardon. Nous attendrons ici. Merci. Plus près de toi, Seigneur.
protège ces humbles pèlerins durant leur saint voyage, car ils cherchent le salut au milieu des ténèbres et reçoit les prières des plus faibles. Amen. 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 Vous pouvez y aller. Merci. Amen. Pardon ? Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah. Allons lui parler. Oui, clairement, je te... Parce qu'au niveau des ventes, c'est net, quoi. C'est... Là, ils ont pas... Je pense qu'ils ont perdu de l'argent. Ils ont gagné l'exposition, mais ils ont perdu de l'argent. Bonjour. Ah, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici. Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous? Pas à Rome, je présume. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac et des fleurs. C'est probablement une île avec deux grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un œil? Oui, merci. Ce serait parfait. Bonne gens. Comme c'est très bon, j'approche à tout le monde, ça c'est sûr. Nous cherchons un garçon et une fille. Oh, putain. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor d'Arles, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité dans tes yeux. Mais quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. Stade ici et vite. Il faut vous faire sortir du camp. Suivez-moi. Essayez de passer inaperçu. Qu'est-ce qui se passe? Faites place! Sortez de vos tentes! Il cherche quelqu'un. Coopérez et vous aurez rien à craindre. Pitié, ne nous faites pas de mal. Nous n'avons rien fait. Nous sommes de bons chrétiens. De nouveau venus dernière. Attention! Des intrus! Oh, des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Ils vont tout raconter. Non, mais j'espère que vous vous rachèterez. J'essaierai. Nous sommes tous jugés un jour. Ah, surtout la fille, hein. Je trouve qu'il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je ne sais pas. On est tellement nombreux. Alors réfléchis. Hé, hey, faites attention. Reculez. Non. On a un problème. Cachez-vous sous la charrette avant d'être vu. Je m'occupe d'eux. Allez, Amicia. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous parlé à ce groupe là-bas? Certains nous ont rejoints récemment. Ils ne ressemblent pas vraiment à vos fugitifs, mais qui sait? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Vous avez entendu? Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Bonne idée. On peut y aller, Amicia? Pas encore. Attends son signal. Hé, hey, vous! Moi? Depuis quand faites-vous partie de cette procession? La voie est libre. Venez, calmement. Allons-y. Peut-être quand même. Ah, on peut tirer cheval. Vous trouverez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons beaucoup. Merci. Soyez prudents. Allez, il faut qu'on se dépêche de partir. J'espère qu'ils n'auront pas de problème. Tant qu'ils ne nous trouvent pas, personne n'aura de problème. Partons loin d'ici. C'est là. C'est bon. Amicia! Qui est la plus dangereuse? Tu es là! On doit pas.
Oui. Il faut... qu'on avance. Où on est? On dirait... une carrière. On va là-dedans. Il fait tout noir. Je ne sais... pas s'il y a un autre chemin. Les gars, on trouve... Allons à l'intérieur. On ne doit pas... rester à découvert. J'ai pas assez de points de truc là. Bordel. Où ils sont? Je sais pas. Tiens bien ma main. Tu as vraiment tué des soldats? Oui, je... j'ai perdu la tête. Tu me l'avais pas dit? J'avais trop honte. Allez, reste concentré. LB. Vas-y, Hugo. D'accord. C'est ouvert. Bien joué. Est-ce que c'est les soldats de la ville? Oui. Ils étaient gentils, pourtant. Ils avaient l'air gentils. Mais ce n'était pas le cas, crois-moi. Voyons ce qu'il contient. Ah, un truc caché. Frottement. Chi. Résine. Pyrite. Oh, puis mine de rien, il est long comme jeu. Amicia, attends. Il y a des gens. Je n'entends rien. Comment tu le sais? Je les sens. Je pense que c'est les rats. Je peux essayer de me concentrer. T'es sûre de toi? Oui, ne t'en fais pas. D'accord. Sois prudent. Oui. Je les vois. Ils sont là. Des soldats. Attends, comment? Les rats. Bon sang. Oh, c'est fermé. Oh, bah, je suis foutu. Qu'est-ce que je fasse? Ça recommence. Allez, ça recommence. Allez, c'est le problème. Alors en plus, elle est abîmée, donc elle est pas en forme, donc c'est... Ils sont piégés ici. Ils ne peuvent plus fuir. Où sont les mineurs? Cette mine n'est pas abandonnée, si? Oh, commence pas avec tes fichues superstitions. C'est le capitaine que tu devrais craindre. Cette gamine n'est plus énervée que 1000 Anglais réunis. Pour passer le coup. Oh, ils sont partis par que vous faites. Pas.
Oh là là. Faire ce jeu, c'est l'enfer. Quel plaisir. Ils ne peuvent plus fuir. Où sont les mineurs? Cette mine n'est pas abandonnée, si? Oh, commence pas avec des fichues superstitions. C'est le capitaine que tu devrais craindre. Cette gamine la plus énervée que mille Anglais réunis. C'est qu'il y en a un autre en haut là. Il y a trop de recoins par ici. On peut utiliser l'écho des rats si tu veux. L'écho des rats. Oh putain, il va venir en faire chiche qu'ici lui. Oh putain. Ah, j'en peux plus. J'en peux déjà plus. Ça fait 33 minutes. C'est vraiment pas sympa à jouer. Je les vois plus. Séparez-vous. Cherchez-les. C'est pas très plaisant. On va pas se mentir. C'est fufu, mais comme c'est mal, le gameplay est pas, comme c'est compliqué, c'est plus frustrant que c'est pas. C'est quand même, moi ça me rappelle le coup du vieux et son tablier quoi. C'est pareil en fait. C'est pareil. Oh là, putain de bordel de merde. Oh putain. Les rats, tu vois rien, tu vois juste les mecs. Ça a une importance limitée, ça. C'est le problème, c'est ça quoi, c'est ce gameplay look dingue là. Alors, en plus quand tu le tiens par la main à l'autre, je sais pas. Thank you.
Ça tourne une histoire. Le pot, je l'ai pris. Je sais pas où ils sont. Je vais mettre 2 mois le finir ce jeu. Ah putain, l'autre il me voit là-bas. Putain, que c'est ringain quoi. On est repéré. Putain, c'est pas une piche de Moukir, c'est vraiment. Putain de merde. Oh non. Ouais, fais quelque chose toi, il y a trop de monde, tu peux rien faire à ça. Mais j'ai pas de flèche. Ouais, 10h. J'en sortirai, ouais. Ouais, fumigène peut-être, ouais. Pas con. J'en ai un. On va faire 3. Alors, fumigène. Ouais, bah, ils vont se mettre. Ils vont. Pas de comme des balles, quoi. C'est-à-dire que. Là, ils vont avoir la quinte. C'est sûr! Forcément eux! Putain, j'ai plus de peau. Oh la bordel de merde. Ouais, bien sûr. Bon sang. Ils ont disparu d'un seul coup. Oh. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Putain de bordel. Mais je fais ça me gonfle, putain. Oh, elles arrivent. Prends-toi. Je ne le répéterai pas. C'est chiant, quoi. Ta tête dort toujours. Ça va. Les rats, Hugo. On doit s'en inquiéter. Est-ce qu'ils arrivent? Non. Ils sont loin. Pour l'instant, concentre-toi bien sur eux. Rien à château, c'est que le début. Les chiens de guerre de la muraille. La muraille n'utilise pas les femmes et les enfants. Ils sont là aussi. Ah, j'ai comme peau. Comment on va sortir de là? J'envoie un disciple, tu t'en sors bien.
putain de merde. Sortie. Où est la sortie? Faut peut-être faire demi-tour. Non. On continue. Hein? Je sais qu'ils sont là. Arrêtez-les. Oh non. Et c'est reparti. Okay. C'est reparti. Okay. Oh, mais t'as vu le passage? Non mais attends. Est-ce que t'as vu le passage? Dépêche-toi. Oui, c'est notre sortie. Dépêche-toi. Abandonne jamais. Oh, ce sont des bouchers. Tu en as tué beaucoup dans la ville rouge. Plus que j'aurais dû. Je sens que je vais courir encore. Oh putain, et là-bas aussi, il y en a. Je pense que le côté droit est le mieux, mais je suis pas sûr. Oh, puis il y en a un autre là-bas. Oh. N'oubliez pas, le comte d'Arles veut débarrasser ses frères de la vermine. Cette fille a tué nos frères. Elle sera exécutée ici. Et il est où notre comte, hein? Ses terres sont ravagées par la peste. C'est lui qui donne les ordres. Un peu de respect. Soudain là-bas. Ça va toujours. Ça va. Il
sais pas si je peux remonter par là. Marcher là. Alors, apparemment j'aurai le temps de. Dis-moi si tu ne te sens pas bien. Je ne me sentirai bien que quand on sera en sécurité. Quand en fait qu'il revient, l'autre il se pointe. Voilà. Alors moi j'ai le temps de passer quand celui-ci est de dos. Tu as la pierre aussi. J'ai suivi ton idée, Bad, je pense que c'était la bonne. J'ai eu tombé. J'ai juste à passer qu'il se casse. Bah pour aller où je vois pas après, je sais pas. Je pense que je tente de. C'est bon. Putain, c'est où? Avec moi. Monte, j'ai serré. Là, je passe par le. Je passe par l'arche, là, à mon avis. J'attends qu'il lui fasse un peu plutôt le double parce qu'il peut me voir, je suis sûr. Ce serait comme tout recommencer parce que. Il n'y a rien sur lui. Au moins. Ouais, ça va pas aussi loin. Ah, il y en a un, c'est sûr. Ouais, je suis obligé de le tuer lui. J'ai perdu un chaos pour rien. C'était caché. Fais attention, tu es très fatigué. T'en fais pas. Je peux pas aller plus loin quand même. Ok. On se cache.
contre, il y a l'archer là. Il y a un archer là qui arrive. Ah, j'ai un casque. Oh putain. J'ai pris un petit feu, mais ça marchait. Ou quoi? Oui, bientôt. Oh, ça sent trop mauvais. Ça, c'est pas mal, par contre. J'ai pas rêvé. Oh, tu te réveilles. Est-ce que tu vas bien? Que s'est-il passé? Terra, j'entends Terra. Ne t'inquiète pas, ils nous ont aidés. Quoi? Hé, Terra! Tu vois ça? Terra! Oui? Il s'est passé quoi ici? Ils sont en train de dévorer nos hommes! Attention! Des soldats! Même le premier, je pouvais pas gérer les rats, si. Repose-toi, je m'en occupe. Comment? Tu vas voir. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, je me concentre. Dans le premier, on contrôlait les rats. J'ai pas le choix. Doucement. Allez, on s'en va. Tu les as vraiment contrôlés?
Oui. Il me laisse les utiliser. D'accord. Partons d'ici, maintenant. Non, je pensais pas que ça faisait partie du gameplay, tu vois. Alors, on fait le plein. Hop là, il va falloir arroser le... On va utiliser la fronde. Un truc. Ils reviennent tous. Ils reviennent tous. À notre endroit où ça? Dans la fosse? Du feu pour passer. Parc. Dans le bassin. Sur le feu pour faire flash. Comment tu te sens? Je les entends toujours dans ma tête. Ça siffle. Tu les as contrôlés? Les vu, Bad. Comme avant.
C'est différent. Cette fois, j'étais dans leur tête. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus. La macula veut te submerger, se nourrir de tes émotions. Tu dois faire très attention. D'accord. Il faut du feu pour passer. Merde. Ah, j'ai plus de peau. Petit feu. J'ai plus de peau. Non, c'est pas là. Oh. J'ai plus de peau. Porte. Marche pas. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est là. Je peux faire un... Amicia, on peut utiliser cette torche. Bien, ça m'est utile. Torche. Maintenant, la torche. Ah d'accord, c'est tellement dérégulé le gameplay là. Je commence à avoir froid. Dépêchons-nous. Oui, ça va te réchauffer.
passage. Oh, du tissu, tout neuf. Ça. Ton bandage est sale. On pourrait le changer. On pourrait utiliser cela. Ils sont propres. D'accord. Ça va te faire du bien. J'espère. Lequel tu veux ? Je ne sais pas. Celui-là. Ne bouge pas. Pardon. C'est fini. Je pense que c'est pas le bandage qui va la soigner. Hein. Merci. C'est mieux, j'espère. Je suis pas fou, j'ai vu des rats. Amicia, les rats m'appellent. Ils les aiment bien quand je les utilise. C'est pour ça que tu dois rester vigilant. Torche. Vas-y, Amicia, utilise-les. Il y a des rats. Oui, je vais faire un passage. Laissez-nous passer. C'est là. Ouais, je trouve là. Ils sont là, les rats.
Pourquoi il bouge plus? Ah oui, ok. Dessus. Il y a juste là, le mec. Cherchez des intrus. Oh. Appelez si vous voyez quelque chose. À deux. On a de la compagnie. Attention. Venez voir. Ah, elle est lente, elle est très très lente. Le problème c'est que ça fout le bordel. C'est chiant. C'est le problème c'est ça, c'est qu'elle est très très lente. Il n'y a pas d'exécution de truc, il n'y a pas... C'est dessus dans la merde quoi. Alors ils sont où les deux là? Il a un casque ou pas? Cherchez les intrus. Appelez si vous voyez quelque chose. On a un soldat mort. Faut trouver qui a fait ça. Un casque là. Deuxième, il a quoi? Oh putain, un casque. Il n'y a pas de casque. Il fait chier. J'arrive pas à croire.
soit très débile, soit très casse-croûte. Te voilà enfin. Priez pour ton insolence. Après toi connaître la mort, jamais. Mais tu fais quoi de sens, faire quoi là? T'es coincé. Je vais m'occuper de toi, personnellement. Blessure, ta blessure. Peu importe, je vais régler ça. Je m'occuperai du gamin aussi. Trop de mauvaises graines sur ces terres. Oh, reste près de moi, Hugo. Yeah, on oublie la corde. Je vais te briser le crâne. Je vais mis le bras avec la loi. Et j'en serai aussi pour eux. The fight, voilà. C'est atroce. Ok, d'accord, ok. T'es coincé. Je vais m'occuper de toi, personnellement. Messieurs, ta blessure. Peu importe. Je vais régler ça. Je m'occuperai du gamin aussi. Trop de mauvaises graines. Putain, mais je suis du feu, merde. Reste près de moi, Hugo. C'est chiant, quoi. La corde. Je suis le bras armé de la loi. Et j'en serai aussi le bourreau. Ce gameplay, franchement, ça craint. C'est vraiment. Tu vois, c'est mal fait, ça. Tu peux pas choisir l'arbre direct. C'est pénible, quoi. Sorcière, j'ai pas le temps, je suis en train de changer mes trucs, quoi. C'est tellement long. Je mets. C'est trop long.
c'est vraiment trop long quoi. Je l'ai vite pillé. Du coup. Amicia! Amicia! Non! Tu saignes beaucoup. Là, c'est eux! Ils arrivent! Je peux pas. Tu vas devoir t'en occuper. Tu es sûre? Vas-y. Vite! Contrôle, Hugo. C'est fini pour toi. Arrêtez. Ou je vous tue toutes. Je l'ai déjà fait. D'où il sort, Sera? Je l'ai pour l'honneur. Ici, je te mets. Je vais vous manger! Il est fou! Il faut l'arrêter! Envoyez-nous pour moi! Je vous mangerai tous! Tu dois arrêter ça, Hugo! Ça va trop loin! Donner quoi. Qu'est-ce qui se passe?
Je vais nous sortir de là. Je vais recommencer. Je suis désolée. Je vais y arriver. Oui, c'est ça. Montez. Ah ben, on va faire péter un câble encore aussi, ça. Oh putain, ça. T'es réveillé? Beaucoup moins quand même. Il t'a sauvé. Il dit qu'il nous amènera sur l'île. Il sait où elle est. Enfin, elle s'appelle Lacuna. Pas trop dans le jeu, et en il fait. Trouvera un bateau. Quoi? Non. Amicia. Chez nous, on avait un chien, mais je le voyais pas beaucoup. Parce que tu pouvais pas sortir? Oui. Alors j'imaginais qu'on jouait ensemble. Ah. Je vois. On y est? Où est le bateau? Où il est? J'espère qu'il est grand. Plus très loin. Je libère nos chevaux. Pour la fin, on va prendre un chemin plus sûr à pied. Des mouettes! Je voudrais vérifier. Je peux? Ça fait 2 jours, alors. Bon. T'es raccommodé. Plus ou moins. L'estable est sûr à l'air libre. Ça fera un peu mal de temps en temps. Respire et détends-toi. Il faut te dire que ta voix n'aide pas. Arrête de jouer les durs. Ça te réussit pas trop. Très bien. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir. Dis-moi pourquoi je te ferai confiance. Pourquoi je ne devrais pas laisser les rats me débarrasser de toi une fois pour toutes. Le comte a lancé son armée contre nous. La racaille de Provence. Beaucoup de mes hommes, mes amis, ont été tués ou ont filé. Tôt ou tard, ils finiront par m'avoir aussi. Alors tu veux fuir? Oui. Les taux se resserrent, mais vous avez peut-être la solution. Les rats. Le moyen le plus sûr d'échapper à la meute qui me court après. Je sais où trouver votre île. Tout ce que tu dois faire, c'est me garder en vie, jusqu'à ce qu'on y soit. Amicia, viens! Viens voir! Oui, j'arrive! Fais très attention. Ceci me rappelle à chaque instant que je ferais mieux de te tuer. C'est lui qui a fait la blessure. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu sens cette odeur? Eh bien, je sens les chevaux et... Oh, Seigneur, ouais, c'est moi, ouais, ça. Ouais, ouais. Non, ça me rappelle... ça sent les algues. Allez, viens.
Hugo! C'est important! Yeah! Hugo! Donne-moi tout ton or! J'espère que tu ne lui as pas dit pour tes rêves. Pour tout le reste. Hugo, reviens! J'ai pas envie de jouer! Je ne parle pas au poulet! C'est si dur pour toi d'être agréable, espèce de petit. Au moins, tu as l'air d'aller mieux. Ouais, c'est clair. Un gosse, quoi. Amicia, on est là! Hugo, tu ne m'as pas répondu. Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Vous trouvez un bateau, j'ai un contact. Qui ? Contrebandière, bateau rapide, discret, y a pas mieux. Parfait. Encore des truands. Oui, faudra t'y faire. C'est ta vie à présent. Alors si tu veux aller à Lacuna après ton coup d'éclat, soit tu prends le bateau, soit tu vas à la nage. J'ai trop hâte de prendre le bateau. Ah, tu l'entends ? Ça, c'est une bonne attitude. Ça, c'est une bonne attitude. Ah, c'est trop haut. Saute, je te rattrape. Wow. Hé, hey, attention. Merci. Bien. Oh, c'est beau, hein. Magnifique. Surtout, ne m'attendez pas. Tu pèses ton poids. Ta sœur te nourrit bien. J'adore manger. Hé, hey, regardez en bas. Arrêtez de courir comme ça! C'est lui qui fonce! Ralentis, petit gars! On a une blessée! C'est trop aimable! On n'est même pas la moitié du jeu, là, on est chapitre 7. On est 17. On n'est même pas la moitié. Ouah! Il y en a plein! C'est une armée d'oiseaux! On dirait bien. Je serai toi, je sonnerai la charge. Oh, je peux, Amicia? Si tu veux. Mais reste bien en vue. Allez, soldats! Chargez! Si on avait eu plus de gars comme lui dans nos rangs, on aurait battu les Anglais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu connais à la guerre ? J'étais chevalier avant, en Guyenne. Oh ! On vient de Guyenne. Un beau gâchis. C'est vrai. Hé ! Hey, vous m'avez vu charger ? Oui, ils ne reviendront pas de sitôt. Je pourrais être un soldat. C'est sûr. Oh, je ne crois pas. Un jour, il sera assez grand pour choisir. On verra. J'ai j'en fous du... Oscar. Ça a l'air calme. Quelqu'un habite ici ? Non, je ne pense pas. J'aimerais bien vivre ici, moi. Juste devant la mer. On y est. Me dis pas que c'est ça, ton bateau. Bien sûr que non. Mais ça y mène. Tu vois ce poteau ? Il y a une corde accrochée dessus. Tire le bateau d'ici pendant que je me charge de pousser. Tu peux faire ça ? Pas sûr. Je suis tellement faible. Quand tu es prête. Je vais t'aider, Amicia. Bien. Continuez. Arnaud ! Quoi ? Recule ! Nom de chien ! Oh merde ! Merde ! Ils t'aiment bien, on dirait. Ils ont failli m'avoir. Oui ! J'suis malade, bordel. Allons, allons. Bon, libérons le chemin. Je pourrais les faire bouger. Ça s'est mal terminé l'autre fois. C'est pas pareil. Je peux y arriver. Oui. Essayons. Doucement, d'accord ? Oui. Donc ils t'obéissent vraiment ? Comment ? Comment tu fais ça ? D'où ça te vient ? C'est fait. Allons-y, alors. Ils vont pas nous suivre, hein ? Je sais pas. Tu te trouves appétissant, toi ? Sale morphale.
Sans vouloir vexer, petit gars. Donc tes contrebandiers sont par là? Oui, c'est un raccourci. Tu sais qu'il grouille de rats, ton raccourci? Oui. Ça veut dire aussi, moins de soldats. Et on a le petit, non? Seigneur, je n'aime pas ça. Allez, monte. Oui. Quand même. Parfait. N'aie pas peur. Sans blague. Hé, petit gars, ils t'obéissent. Balance-les tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Ah, excellent. On peut quand même à l'arbalète, je crois. Quoi, ça? Tu l'as utilisé contre mes hommes? De l'alchimie. Recette secrète. Je me fiche de la recette tant que ça marche. Tu verras. Continue par là-bas. Voilà notre chemin. C'est ça, un raccourci pour toi? Oui, bon, avec ces rats, on devrait faire demi-tour. Non, j'ouvre la voie. Tu me suis et tu fais ce que je dis. Tant qu'on s'en sort vivant... Il faut... Ce sera utile. Ce petit bâton? Suis-moi, point. Restez près de moi. On y va. Je te fais confiance. Et me serre pas comme ça. Ça ne fera pas aller plus vite. Désolé. Et c'est assez dur de garder son calme. On l'a déjà fait plein de fois. Oui, ben, je vous plains. Et voilà. Facile. C'est exactement le mot que j'avais en tête. Ah, tu n'aimes vraiment pas les rats? Personne les aime, petit gars. Oh, oh non. Quoi? C'est quoi, ça? C'est un lit. Oh, ne me dis pas qu'on doit aller là-dedans. Et si? On devrait pas. C'est ça, ou on reste ici. Un chariot! Tes contrebandiers ont dû l'abandonner. Je ne vois pas pourquoi. Respire un grand coup. On y va. Ça va être vraiment horrible, Amicia. Même le petit est terrorisé, là. Tu es sûre de toi? C'est le seul moyen. La lumière du chariot nous protégera. Je suis pas prêt à ça. Cette odeur... C'est quoi, cette chose? J'en ai la chair de poule. Ils fabriquent ça... avec les choses qui les attrapent. Comme des gens. Bon sang...
Tu as dit que vous étiez en Guyenne. Ça a commencé là-bas. Tu... Mais je l'ai pas fait exprès. C'est à cause de toi? Il ne peut rien y faire, d'accord? Nous aussi, on subit tout ça, comme tout le monde. Ah, c'est l'enfer qu'on mérite tous. Je veux que ça s'arrête. On ira à Lacona. On te soignera. C'est de la folie, bon sang. Ça fait quelle taille, ça? Ça pourrait être géant. Suis-moi. Par ici, je pense. Attention. Il pèse sur le poids et il a tout fait péter. Il me regarde comme une tranche de viande rôtie. Hugo, on devrait partir maintenant. Quoi? Pourquoi? Il est dangereux. Toi aussi. Et moi encore plus. Mais on a besoin de lui. Hé hey, j'ai besoin de vous ici. Bon, très bien. Traverse ce projet là-bas, c'est ça? Je vais faire mon coup là. Ça prend beaucoup quand même. Je sais pas comment. Quel bordel. Faire partir.
ça pue. Je sais pas ce qu'il faut. Hein. J'ai pas de peau. Moi je l'ai plus. Le fouet c'est pour moi pour se sauver mais... Je sais pas ce que c'était, mais tu m'as sauvé la mise. On n'est pas sorti d'affaire. À quoi sert la manivelle? Aucune idée. On pourrait l'essayer. Arnaud, occupe-toi de ça. J'y vais. On dirait que tu pourrais utiliser ça, non? Avec ton arbalète magique. Amicia, tu pourrais tirer sur cette planche avec ton arbalète. Ça pourrait marcher avec de l'odoris. Laisse-moi voir. Dis-moi quand je peux relâcher. Ça ira comme ça. En avant. Cours, Arnaud ! Compte là-dessus. C'est quoi ça ? Il y a quelque chose de collant par terre. C'est du sang. Les restes de leur proie. Et quelque chose qu'ils sécrètent, je crois. T'inquiète pas, c'est pas dangereux. Tu plaisantes ? Je mettrai ces boîtes au feu. Allez, tu y es presque. Fichu, saleté, infecte. Je suis là. Oui, content d'être en vie? J'ai été de toutes les batailles. J'ai regardé la mort en face autant de fois. Mais ces petits merdeux, ils me donnent l'impression d'être de nouveau un bleu. T'es entraîné maintenant. T'es le roi de l'optimisme. Bon. Il vous reste des tours dans votre sac pour continuer à avancer? Non. Je ne vois rien sur quoi tirer. Et je n'ai rien qui tiendrait assez longtemps. Non, non, il faut qu'on sorte d'ici. Attendez! J'ai une idée! Tire un carreau enflammé sur mon bouclier. Quoi? Mais il va brûler! Il a vraiment l'air de s'en soucier. D'accord. Je vais le faire. Ah!
l'ai senti passer. Bien. Quand vous voulez, traînez pas. On y va. On va y arriver. Je vous le dis, dégagez de là. Oui. Oust. Regardez-moi ces lâches retourner dans leur trou. Ah, c'est ça. Reculez devant la puissance de la muraille. Tu vois, même toi, tu t'y habitues. Oui, c'est eux qui ont peur de toi maintenant. Bon sang, oui. Mais j'ai l'impression d'avoir le bras en feu. Mais c'est la muraille. Et la muraille a pris assez de coups comme ça, gamin. Mon corps est aussi fourbu que mon bouclier. Ah. C'est ça, la guerre. On touche au but. Tiens encore un peu. Oh, je vais tenir. Ça, je sais faire. Bien, c'est bon. Ah. Est-ce que tu t'es brûlé? Pas exactement. Juste une bonne suée. On devrait avancer. Descends. Entendu. J'ai toujours pas assez de trucs. Hein. Ah, je peux augmenter l'arbalète. La recharge beaucoup plus vite. Hein. Une jarre supplémentaire. L'arbalète qui recharge plus vite. Montez l'arbalète. C'est bien mieux. Alors, j'ai débloqué quoi comme capacité. Opportuniste, ça c'est sûr. Plus vite ses munitions. Agressivité. Oh. De pousser les ennemis dans le feu, dans les rats, dans ses attaques mêlées. Ah, oh, c'est super ça. Ouais. Conscience de son nom, même si elle peut pousser. Ah, tu peux les pousser dans le feu et tout. Ah, ouais. Je l'ai acquis ça. Ouais. Prudence, et là je suis au deuxième truc. D'accord. Ouais, je commence selon ton gameplay en fait. C'est bien ça. C'est la grosse épave? Oui, on y est presque. Elle a installé sa planque derrière ce bateau. Elle? Oui, Sophia, le scorpion des mers. C'est la chef. Elle a l'air effrayante. Moins effrayante que ces maudits rongeurs. On verra ça de nos propres yeux. Allez, un dernier effort. Ce bateau n'ira nulle part. Regarde, il y avait son nom ici. On peut plus le lire. Oui, ce Rafio a connu beaucoup de rochers et de sable au cours de ses voyages. Ça doit être triste de perdre son nom. Ben, trouve-en un autre. Je peux? Bien sûr. Pourquoi pas? Je pense qu'il le mérite. Il s'appelle... Le survivant. Ça y ressemble, c'est vrai. En fait, rien n'est jamais mort avant d'être totalement enterré. Laissons-le se reposer. Il l'a bien mérité. Tu viens? Oh, t'es là partout quoi. Oh putain.
Ces contrebandiers, ils sont combien? Toute une bande. De la racaille qu'elle a ramassée dans toute la Méditerranée. Sophia est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une, de sainte? Oh que non. Je crois que c'est là. Écoute, si on ramène un ou deux contrebandiers morts, le comte nous récompensera. Oui, des soldats. Je m'occupe d'eux. Non, laisse-moi faire. Toujours pas confiance en moi, hein. Vas-y alors, je te regarde. Vous êtes vicieux, hein? Mais pas assez pour moi. C'est là. Donc, j'utilise le truc de spécial là, ça fout pas. J'avais toujours essayé, vous m'aurez pas. Waouh, il est grand ce bateau. Hé, hey, t'as trouvé des traces de pas? Chut. Rien. Tu crois vraiment qu'il y a encore quelqu'un avec tous ces rats? Cachez-vous. Des soldats. Regarde autour de toi, cet endroit est un foutu labyrinthe. Écoute, si on ramène un ou deux contrebandiers morts, le comte nous récompensera. Oui, des soldats. C'est pas sûr. Je m'occupe d'eux. Non, laisse-moi faire. Toujours pas confiance en moi. Hein. C'est lequel pour éteindre le truc? Vas-y alors, je te regarde. Là, je sais où vous trouvez. Oh non. Tain, mais je croyais que c'était ça pour éteindre... Non, non, non. Quoi, vous êtes si arrivé? Vous vous cachez là, hein? Il vient par ici. Ouais. Par ici, je le sais, je vous ai enfin trouvé. Ils savent qu'on est là. Désolé, t'avais aucune chance. Brasier, 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 brasier. Il traque des contrebandiers, malgré les rats. Je te l'ai dit. Le comte veut faire le grand ménage en Provence. C'est de la folie. Pourquoi vous êtes si agressif? Il
peux descendre là. C'est sûr. Moi je peux pas. Je vais zapper les autres. Je suis là en fait, tu m'as emmené un peu plus loin. Où ils y vont pas? Je suis planté. De trucs. C'est une dernière erreur parce que tu l'envoies à droite, mais en fait c'est à gauche. C'est un vrai cimetière de bateaux ici. Les courants sont traîtres dans le coin.
faire tout ça pour ça, c'est nul. J'ai utilisé le couteau pour rien. Attends, c'est quoi le délire? Non, en fait, je suis... Sophia, elle s'appelle le scorpion des mers parce qu'elle pique les gens. Son bateau s'appelle la Rascas. C'était pas là, un en fait. Un poisson du coin avec des épines venimeuses. On l'appelle aussi poisson scorpion. Oh. Je suis presque sûr qu'elle pique aussi. Ah, là-bas, ok. C'est par ici? Oui. Un passage discret pour les invités discrets. De l'eau? La cachette est tout au fond. Non! Non! J'ai peur des vagues! Oh, allez! C'est rien que de l'eau de mer, regarde. Il a raison. Mais... Hugo, c'est s'il profond. Te plaît. Je suis fatiguée. Écoute, pense à ton île. Mais il y a des vagues! On est presque arrivé. On peut en discuter après? Ah, commence pas, toi non plus! Assez! J'ai peur! Je vais te porter jusqu'au bout, voilà tout. D'accord. Bien. Et voilà. Seigneur. C'est assez haut pour toi? Regarde, tu ne touches même pas l'eau. Oui. Eh bien, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être si petit. Ça dépend des jours. Tu as toujours peur? Non. Maintenant, tu sais pourquoi on m'appelle la muraille. Parce que t'es comme une forteresse. Exactement. Je ne laisse rien passer. Et ton bouclier ressemble à une muraille aussi. Comment ça va derrière? Tout va bien. Maintenant qu'il s'est calmé. Eh ben, merci Arnaud. Oui, merci beaucoup. Il est temps de rencontrer le scorpion des mers. Le scorpion des mers. Au risque de te déplaire. C'est mieux si je passe devant. Oh, mais je t'en prie. C'est moi, abruti. Laisse-le passer. Arnaud. Même ces charognards de rats ont pas voulu de toi. J'étais pas seul. Ça alors. J'aime cette nouvelle équipe. Voilà Amicia et Hugo. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur, il va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Tu vois. Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, trésor. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux? Ton rafio. On doit aller à Lacuna. Affaire personnelle. C'est fini, Arnaud. J'ai l'armée du comte sur le rable. Et des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors, viens toute seule. Sophia, tu me le dois bien. C'est d'accord. L'océan m'appelle à nouveau. J'ai besoin de prendre le large. Allons-y. Juste une chose. Quoi? Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. Vendu. Et au fait... Les hommes du comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village, mon navire est là-bas. Je vous rejoindrai. D'accord. Venez. Alors, c'est le moment de l'année où tu veux tout plaquer? Sauf que c'est pour de bon cette fois. Bien sûr. On va jouer aux osselets en attendant que tu reviennes, comme toujours.
Ça, c'est fait. Oh, il pleut très fort. Un orage de chaleur, sûrement. Vous voyez cette lumière? C'est le phare du village de pêcheurs. Le bateau de Sophia est là-bas. Est-ce qu'on va vraiment naviguer par ce temps? Reste là. Qu'est-ce que tu fais? Joli travail. Maintenant, il y en a un autre qui arrive. Et alors? Je peux m'occuper de lui. Tu n'as qu'à me le dire. Commande et j'exécute. Seigneur. Hé, tu sens bien? Arnaud, occupe-toi de celui-là. Viens là, toi! J'étais sûr de gagner. Oh bah ouais, parti comme ça. C'est mon métier. Oui, ouais. Je vois ça. Ah du coup tu casses bonbon. Il est à toi, Arnaud. Allez au combat. Vous n'irez nulle part. Occupe-toi de celui-là. Toujours prêt à me battre. On le verra. Alerte! Des intrus! Laissez-moi. Des intrus! Attrapez-les! Ils arrivent! Ne resterez pas coincés. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe quand même. Là, j'aurais dû éteindre un truc. Continuez à couiner, je m'en fiche. Arnaud, charge-toi de lui. Viens là, toi.
J'étais sûr de gagner. J'ai pas vu lui. Arnaud, occupe-toi de celui-là. Paré au combat. Vite fait, bien fait. Ah oui, c'est pratique. C'est sûr que d'un coup de sel. Une trop. Je sais pas où il faut aller. Là, je cours fort. C'est même pratique, mais on t'aide là, à mon avis. Arnaud, charge-toi de lui. Toujours prêt. Il y a toujours des passages comme casse-moi, c'est sûr. Avec moi. Ah putain, vite, tu le. Désolé, t'avais aucune chance. C'est pas... comme l'énergie. Arnaud, charge-toi de lui. Vite fait, bien fait. Avec moi.
forcément eux. C'est pas loyal, ça. Ce sera ballot. J'ai besoin d'aide. C'est plus chaud là. Ouais. Attention à la descente. J'ai serré. Il est à toi, Arnaud. Je suis prêt. J'arrive à tuer l'autre. Je sais que vous êtes dans le coin. Arnaud, charge-toi de lui. Toujours prêt à me battre. Yeah ! Viens là, toi. J'étais sûr de gagner. Je l'ai cramé. Je peux me pousser dans l'eau. J'espère. Il est à toi, Arnaud. Il est là où il me fait, je crois. Ça devient pire que la Guyane ici. On avance plutôt bien. Comment va ta tête? Ça va. J'aime bien ta coiffure. Remercie-moi. Oh, pitié. Passage. Allez, monte. Oui. Bah, il disait dans l'explication que tu pouvais pousser dans le feu ou les rats. Il pleut de plus en plus fort. C'est rien, c'est juste un
J'espère que ça va se calmer avant qu'on arrive au bateau. Espérons déjà qu'on arrivera jusque-là. Porte-malheur, je te dis. Ce n'est rien qu'un bateau. Il s'appelle la Rascasse. Il porte malheur, ce poisson. Tout porte malheur avec toi. Allez, reprends ta patrouille et essaie de pas t'endormir. On se rapproche. Rascasse. C'est rigolo comme nom. On continue. Ces soldats sont une honte. Des hommes ne valent pas mieux. De sales vauriens. Pas de quoi être fier. C'est ça, les mercenaires. Charge-toi de lui! Je suis prêt! Yeah! Viens là, toi! J'étais sûr de gagner! Ah!
reviendras sur ton île. C'est beau, Lacuna, et ensoleillé. Oui, j'ai hâte. On y sera bientôt. Et je sais pas où c'est. Je suis plein. Des flèches que j'ai pas, mais enfin. Faut les louer. En face. Je suis allé, y'a rien. Je comprends pas. Je suis à tour. Hein. Il est où le bateau ? Je comprends pas, j'ai pas vu. Je suis à tour, mais je vois pas le bateau. C'est ça que je piche pas, j'ai tué tout le monde. Hein. Il y a un gros coffre, mais je vais pas tenter.
touche plein en plus. Ça a l'air sûr. Oui, ça ira. C'est là, Amicia. On peut aller le voir en attendant Sophia. Je sais pas, Hugo. Je vais l'accompagner. Repose-toi. Tout ira bien. On sera pas loin. Envoie les rats sur lui, s'il t'embête. Oui. Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. Je connais à peine, et j'ai déjà une dette envers toi. Non, tu ne me dois rien du tout. Ça fait partie du code. Bien alors, soyons amis, si ça peut aider. On peut essayer, mais tu finiras par vouloir me tuer toi aussi. Sans froid, hein. T'as repris ton souffle ? On peut y aller. On se met au travail. Sans froid. J'y suis pas encore. Ah, Jacques. Ok, voilà. C'est la prudence qui est toujours en deçà. Hein. On constate bien. Char supplémentaire. Ouais, ça je prends. Ça devrait me simplifier un peu la vie. C'est sûr. Alors, voilà la rascasse, c'est ça ? La seule et l'unique. J'espère qu'ils l'ont pas abîmé. Je suis fou. Arnaud, où est Hugo ? Je suis là. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais dehors ? Rentre dans la cabine, tu es trempé. Oui, à la cabine ! Alors, comment on met ce rafio à l'eau ? Va lever l'ancre avec Amicia pendant que je vérifie la route vers Lacuna. C'est la manivelle à la proue. Je m'en charge. Oui. Ça pèse son poids. C'est une ancre. C'est fait pour ancrer. C'est bloqué. Sophia, je crois qu'ils ont bloqué l'ancre. Allez sur le ponton avec la manivelle. Ça contrôle la chaîne. Tu peux faire quelque chose ? Je vais voir. De toute façon, c'est sauvegardé là, hein. Les poissons. Quelle heure il est là ? 2h du matin, hein. Passé. Regardez pour lundi, hein. Vous savez pas l'heure qu'il est, 2h22, ouais, c'est bon. Ça va aller pour moi. J'ai fait mon quota de livre. On a quel chapitre, là ? Chapitre 7. On va commencer. Normalement, il y a eu la save, de toute façon.
J'aurais dû mettre jeu, comme ça je savais où j'en étais. Mais normalement il y a une save, j'ai vu le petit losange. Ouais. Oh ben ça, on verra ce qui nous attend. Hein. On verra un peu. Hein. Les 2h22, ouais, ça va. On a fait mon petit stream, hein, du coup, pour le vendredi. Et puis voilà, demain ça va dépendre. Hein. Toujours pareil, si j'arrive à sortir tôt. Si c'est comme ce soir, si j'arrive à m'échapper à l'heure, on pourra streamer, on pourra faire quelque chose. Là déjà on est au chapitre 8, c'est ça? 7, 8. Je sais plus. 7, 8, 7. 7. Ouais, c'est 10. Allez. Je suis toujours là. Ouais, on va pas prendre de retard de sommeil, 2h20, le temps de la douche, tout ça. C'est 3h du mat, c'est pas mal. Je vous souhaite une bonne nuit. Et demain, si j'arrive à m'échapper, on verra ce qu'on fait. Peut-être qu'on le continuera ou on fera autre chose. On verra. Bonne nuit, Bad. Bonne nuit, Chatoun. Merci beaucoup pour le coup de main. Hein, je vais en avoir besoin, je pense. Passez une bonne nuit. Et peut-être à demain, si j'arrive à m'échapper. Ciao, ciao. Bonne nuit.